Je ne peux pas croire que je vais parler de mon premier baiser aujourd'hui avec vous. Oh my god. Coucou tout le monde. Bonsoir. Je sais pas quelle heure il est chez vous. C'est pour ça que je dis toujours hello bien coucou tout le monde. Je pense que c'est mieux. Bref. Mon nom c'est Kira, la diva du 24 sur tous mes réseaux sociaux. Et merci beaucoup parce que nous sommes à 800 abonnés sur la chaîne. Et comme nous sommes à 800 abonnés sur la chaîne, je me suis dit pourquoi je ne vous ferai pas un petit story time, genre de vous à moi, de moi à vous. Pour vous remercier parce que 800 abonnés, genre, on est passé de 100 abonnés en un mois. Bravo! Bref, la vidéo va se porter sur ma première fois. Genre, c'est pas ma première fois. Non, c'est sur my first kiss, mon premier baiser. Genre. Oui, je ris parce que c'est quelque chose de tellement bizarre. On ne parle pas du premier baiser, genre le premier baiser à 2 ans, 3 ans, le baiser par inadvertance avec une fille. Ouais, ça c'est déjà produit dans ma vie. Avec ma meilleure copine, on s'est déjà embrassé sur la bouche. Pas avec la langue prise, je vous vois déjà les pervers. Non. Non, c'est juste genre, je vais l'embrasser, elle va m'embrasser, puis on. Bref, ça tombe sur la bouche. Je pense que tout le monde a déjà eu ce truc-là. Sinon, c'est chelou. C'est seulement moi qui l'a déjà eu. Commentez, s'il vous plaît. On va parler du premier, le premier vrai baiser, genre le baiser qui chamboule tout, le baiser genre avec le garçon que tu aimes, le crush, ou bien ton premier petit ami, le vrai amour, genre tu fais le premier baiser, le baiser qui compte, le baiser qui reste marqué. Oui, ce premier baiser-là, j'avais quel âge? Je crois que j'allais avoir 16 ans. J'ai commencé tard pour un premier vrai baiser. Non, j'étais genre une petite chaudasse, comme on l'appelle, parce que j'aimais beaucoup les garçons. Je ne faisais pas le premier pas, mais j'aimais beaucoup les garçons avant. Genre, si j'aimais quelqu'un, je le disais carrément, j'aimais quelqu'un, j'étais assez directe. Je pense que c'est parce que j'aimais juste le physique, pas vraiment, j'aimais pas vraiment la personne, c'est juste physique, ou bien je trouvais ses yeux beaux, sa couleur, son poids, sa taille, bref, j'étais très physique avant, je me contentais de voir, bref, c'était tout ça. Mais pour le premier baiser, c'était genre, c'était mon crush, vous savez, mon crush, c'était mon ennemi qui est devenu mon crush, puis mon petit ami. C'est le premier garçon que j'ai aimé vraiment. Ça, je l'avoue, je l'ai vraiment aimé. Je crois que j'ai fait une vidéo où je lisais mon journal intime. C'était de ce garçon-là que je parlais. Je mets pour vous la référence ici ou ici dans le petit i qui sera là-haut. Mais bref, je continue. Je crois que c'est ma maman qui m'avait envoyé avec ma tante et ma cousine. On était allés en ville. Je devais acheter quelque chose pour elle. En Haïti, vous savez, les détergents, mais c'était un grand sac. Et je me souviens bien que je devais passer devant chez lui pour aller chez moi. Et il n'y avait pas vraiment les taxis de moto comme c'est beaucoup plus fréquent en Haïti. Et puis, je me disais, merde, il va me voir avec ce truc-là, je dois passer devant chez lui. Vous savez, quand vous aimez quelqu'un, vous devez toujours être genre on flick, slay. Et puis, je me disais, il allait me voir ainsi. Je l'ai texté, c'était genre les SMS qui étaient à la mode. Je l'ai texté, je lui ai demandé est-ce qu'il était là, qu'est-ce qu'il faisait. Il m'a dit non, qu'il n'était pas là. Je me disais, waouh, sauvé. Il était genre 5h, 6h et le soir tombait vite. On était genre en hiver, les temps fraîches. Et puis là, avec mes cousines, on est passé devant chez lui après le soir, lorsqu'on rentrait chez nous avec le gros sac de détergent. Et puis on montait. Ma cousine était devant. Et ma tante et moi, ma petite tante, elle a 1 an de moins que moi. Ouais, ma grand-mère était une vraie chaudasse. Ma défunte grand-mère, mais ma mère est une vraie chaudasse, les deux. Bref, c'est une famille de chaudasses. Bref, on était ensemble et puis j'avais le sac, elle aussi. Lorsque je suis passée devant chez lui, il y avait son cousin qui était là. Je crois que directement, lorsqu'il m'a vu, il a texté. Il l'a texté et puis il a dit que je venais de passer. Et puis on montait, on faisait du grabuge dans la rue. On a pris beaucoup de temps. Genre, on pouvait prendre 30 minutes pour arriver. On a pris genre 1 heure, 1h30. Parce qu'on était entre filles, on riait, on s'arrêtait partout. Et puis lorsque j'étais presque arrivée chez moi, j'ai entendu, parce que lui il faisait du quad, je crois. J'ai entendu le son. Je me suis dit merde. Et puis ma tante, ma petite tante, elle s'est retournée lorsqu'elle a vu que c'était lui. Elle a lâché le sac et les deux.
ont pris la fuite. Elles sont parties, elles sont entrées dans l'impasse et elles m'ont laissé avec le sac. J'étais en mode dégoûtée. Je me sentais genre en sueur et puis j'avais le sac là. Je me disais merde. Et puis lorsque je me suis retournée, j'ai vu que c'était lui. Mais vous savez, genre, vous avez 15 ans, vous êtes amoureuse, vous êtes folle amoureuse, et puis vous le voyez, ces gens que vous voyez le prince charmant venir, et puis vous vous sentez comme Cendrillon parce que vous étiez moche. Et puis lui, en gentleman, il n'a rien dit. Ma tante est revenue, elle m'a aidée, on a mis le sac et dans l'entrée. Et puis avec lui, il m'a dit, allons faire deux, trois pas, on m'a monté. Là, je me disais, je savais déjà dans ma tête que j'allais le faire. C'était le moment, the moment, Mais je me disais, est-ce que je pourrais le faire? Parce que c'est vraiment le premier, c'est pas genre un smack. C'était vrai, genre le premier, je le sentais arriver, je tremblais, j'avais les mains moites. Et je crois que lui aussi, parce que tout dernièrement, il m'a dit, je te souviens de notre premier baiser. C'était genre. Et puis, on a fait deux, trois pas, on est monté le soir, il n'y avait personne vraiment dans la rue, il faisait nuit. Et puis, 10 jours plus tard, je crois, ça allait être mon anniversaire, c'était genre. On ne savait pas quoi faire. Bref. Il y avait genre de l'électricité dans l'air, c'est genre comme les films romantiques. Lorsque il s'est approché puis qu'il m'a embrassé, bref, vous voyez, le contact s'est fait. C'était pour moi, genre, mon cœur faisait c'était un vrai premier baiser, c'est ça. C'était genre, waouh! Et puis, c'était même pas, ça n'a même pas duré, genre, 30 secondes. Pour moi, c'était toute ma vie qui venait de se défiler, bref. Lorsque on s'est séparés, je suis montée chez moi. Avec mes cousines, on avait croyé que s'il me voyait ce jour-là, il allait m'embrasser, que je devais lui donner des bonbons, genre ce truc-là. J'avais perdu, je leur ai donné ça, elles savaient, parce que lorsque je suis rentrée chez moi, j'ai directement pris la chambre et je suis montée sur mon lit. Et puis, je refaisais le film, genre je me disais, voilà, ce que j'aurais dû faire, tourner ma tête ainsi, ou bien faire en sorte que le baiser dure plus longtemps. C'était tellement stupide, genre. Des années plus tard, quand on réfléchit, on se dit merde, j'étais comme ça. Et puis, on sait qu'on est plus libéré maintenant, on a déjà appris, on connaît des choses. Mais sur le coup, c'était vraiment le truc à faire. J'ai jamais regretté d'avoir patienté, d'avoir commencé très tard. Pour moi, c'est je m'en fous que j'ai fait ça à 15-16 ans, je m'en fous parce que c'était le bon, c'était genre, c'était la personne parfaite pour un premier baiser. Et puis, waouh! Jusqu'à présent, ça me choque et je suis très contente d'avoir vécu ce premier baiser-là. Ça m'a marqué, que ce soit avec quelqu'un que j'aimais, que j'aime, que. Bon, bref, j'ai très, très, très apprécié. Si tu passes par là, merci pour ce premier baiser. Et sorry, mamie, j'ai eu un premier baiser à 16 ans. Bon, bref, voilà, c'était pas grand-chose. C'était mon premier baiser. Bon, je me disais que j'allais vous le dire si j'arrivais vraiment à 800 abonnés. Et puis, je suis arrivée à 800 abonnés. Et j'ai réalisé ça. Bref, j'espère que la vidéo vous a fait plaisir, que ce story time vous a fait plaisir. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, commenter, partager. Et à très vite pour d'autres vidéos.